Ok. Comme je dis, aujourd'hui, on n'utilisera à peu près pas la virtual machine. Ok, ça a marché. Bon, parfait. Donc, aujourd'hui, cours 2, où on va voir le. On arrive ici, donc, dans l'initialisation du système Linux. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment tout le processus de démarrage du système GNU Linux. On va en faire un clin d'œil au niveau, voir déjà la partie qui est commune, qu'on soit sur un Red Hat ou sur un CentOS, un Red Hat, CentOS ou sur un Debian Ubuntu. Et après, bon, on va surtout se concentrer sur le Ubuntu, parce qu'on avait décidé de prendre cette distribution comme point de référence. Mais je vais quand même toujours garder l'aspect du Red Hat, parce que je trouve que c'est intéressant au moins de savoir, peu importe la distribution et la particularité, donc les deux majors qu'on va se retrouver. Donc, si, donc, comme on a dit, il y a des petites restrictions au niveau de l'accès sur la page de formation. Donc, si vous avez répondu, réalisé les critères, donc le sondage et la réaliser, vous pouvez cocher en fait uniquement la réalisation du cours. De l'installation. Donc juste faire le petit crochet, ça vous permettra d'avoir accès au matériel de la formation. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Donc là, on va voir vraiment les étapes. C'est quoi l'objectif là aujourd'hui? C'est de vraiment voir donc tout le processus de démarrage pour que bon, là aujourd'hui ça va bien, c'est une nouvelle VM, elle marche bien, puis il n'y a pas trop de problèmes. Mais au moins, si un jour vous avez une problématique à ce que la machine démarre pas, ben, quand on veut chercher la documentation, c'est plus facile de savoir à quelle étape en fait la machine a crashé, on est rendu à quelle étape, c'est quoi qui peut être la cause ou la source du problème. Donc c'est vraiment ça l'objectif au niveau de la formation actuellement. Donc on va vraiment partir du démarrage de la machine, donc au niveau du BIOS, jusqu'à au logging prompt à l'arrivée. Okay? Donc là je sais que ça va être une très théorique, il y a très peu de pratique, en fait ça va être assez difficile de mettre la pratique là-dessus, mais bon, c'est la vie, hein. Parfois il faut commencer comme ça, puis on mettra un petit peu plus de pratique quand on verra l'administration système avec la création des utilisateurs et autres. C'est bon? Ok, c'est parti. Donc, bon, là c'est peu importe système d'exploitation indépendant. Donc la première partie, c'est vraiment la partie du BIOS, où en fait il va avoir l'ensemble de l'initialisation de la carte mère et des différents périphériques qui sont nécessaires au démarrage. Donc c'est la validation de la mémoire aussi qu'on va retrouver, donc vraiment le BIOS, la classique, là. Donc j'allume. Cette première partie s'initialise. Bien entendu, il peut y avoir des problèmes aussi là. Je ne sais pas, le CPU qui serait pas là ou manque de mémoire. Mais vraiment, là, on est vraiment complètement à l'extérieur du système d'exploitation rendu à cette partie-là, même à l'extérieur du disque dur ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Mais on appelle le Power on Self Test, donc le POST, donc la partie du BIOS, où il fait la validation et la détection du matériel dessus, disque dur, etc. Donc c'est quand même assez essentiel, parce que s'il n'y a pas de mémoire, pas de CPU, et s'il n'arrive pas à détecter les disques durs, évidemment, le système ne bootera pas. Donc une fois que le BIOS a fini de son travail d'initialisation, il va commencer à lire le disque dur. Donc bon, il y a la séquence hein, dans le boot, mais bon, si on part du principe qu'il va booter de manière traditionnelle, donc sur le disque dur qui est présent, il va aller lire le MBR, donc le Master Boot Record, qui est au début de la première du premier disque dur. Okay? C'est vraiment une toute petite slide, hein, comme on peut le voir, c'est uniquement 512 octets qui est contenu à l'intérieur du MBR. Donc c'est pas beaucoup de place pour mettre le logiciel. Par contre, ce chargeur d'amorçage, donc le bootloader, c'est un logiciel qui va nous permettre d'initialiser. Lui, il va aller pouvoir aller chercher le noyau Linux. Il va pouvoir choisir si on avait plusieurs systèmes d'exploitation. Hein, si vous avez par exemple un Linux, un FreeBSD, un BOS ou un système d'exploitation privatif. À ce moment-là, vous allez pouvoir sélectionner votre système d'exploitation à ce niveau. Donc, vraiment, le bootloader va nous permettre de faire un système de gestion. Actuellement, le bootloader les plus populaires, le plus populaire, c'est Grub, qu'on peut voir. Il y a aussi Lilo,
qui a été beaucoup plus utilisé dans le passé, il perd actuellement du terrain. Hein. Pourquoi? Bon, c'est une question de préférence et que la majorité des distributions fournissent l'îlot comme ça. Mais il existe aussi des bootloaders privatifs, donc qu'on peut acheter ou même il y en a qui sont gratuits. Personnellement, moi, je vois pas l'intérêt, mais bon, je vois pas trop l'intérêt de mettre non plus des logiciels privatifs en général. Donc, c'est sûr que j'ai pas d'exemple comme ça, mais dans le temps, j'avais un coloc qui avait un système bootloader privatif. Donc, je sais que ça existe. Ce grob, donc, il se divise en plusieurs parties. Pourquoi? Parce que 512 octets, c'est pas grand-chose pour un logiciel, hein, surtout avec les développeurs de nos jours, que, ils se disent qu'ils ont beaucoup de RAM, donc beaucoup d'espace disque dur. Donc le grob est divisé en deux, trois parties, en fait. La première partie, où on a le boot image, qui est à l'intérieur, donc qui est vraiment dans le secteur 0, qui est à l'intérieur du MBR. Hein. En fait, l'ensemble ici, c'est dans le MBR jusqu'au stage 2 où on tombe sur le disque dur. Donc ici, au niveau du boot IMG, c'est ce que le première chose qui va charger. Donc ça, c'est le logiciel qui va charger et il va lire en fait ce qu'il y a. Il va charger la première partie du grub, donc du logiciel. La partie 1.5 qu'on va voir, c'est la partie core. Pourquoi? Parce que il a besoin, grub, d'aller lire sur le disque dur pour aller lire les fichiers de configuration. Il a besoin d'aller lire le kernel Linux qui est disponible. Donc, il a besoin d'aller chercher le reste de son application sur le disque dur, donc sur la partition EXT3, EXT4, ou peu importe. Donc, il a besoin d'aller chercher parce que le 512 octets, c'est trop petit pour contenir son programme et les kernels et les autres informations qu'il a besoin. Okay? Donc, en fait, ici, j'ai le stage 1 où il boot le logiciel. Ça aurait pu être dans le même, mais bon, ça a été séparé pour pouvoir faire du débogage, hein, en fait. Le camp IMG, lui, ce qu'il va aller chercher, c'est des drivers, en fait, qui va lui permettre d'aller chercher l'information sur le disque dur. Qu'est-ce qu'on va retrouver comme driver? Ben, comment lire une partition UXT3, par exemple. On peut retrouver aussi comme driver s'il y a une carte RAID privatif et qui a besoin d'un driver pour pouvoir y accéder. Donc, on va retrouver cette information à ce niveau-là pour qu'il soit en mesure d'aller lire le disque dur. Et comme vous pouvez le voir ici, hein, ici c'est le Master Boot Record et ici en haut, donc la partie qui est rosâtre, c'est slash dev slash SD quelque chose. Donc, il va aller chercher à l'intérieur du slash boot, son stage 2, donc les fichiers pour que le logiciel soit fonctionnel. Okay. Ça, c'est une erreur classique qu'on va avoir d'un problème à grub, c'est-à-dire que le stage 1, il marche bien parce qu'il a été écrit dans le MBR. Le stage 2 aussi parce qu'il est dans le MBR, donc c'est un peu difficile pour qu'il se plante. Et paf! Il n'arrive pas à lire le stage 2 parce que la partition slash boot a été enlevée, parce que le disque dur a été supprimé. Et ça, c'est vraiment un classique où on dit la machine boot pas. Bah oui, parce que le grub, il n'arrive pas à faire son processus, il n'arrive pas à aller chercher même son fichier de configuration qui est à l'intérieur de la partition slash boot. Pour à ce moment-là, si on veut aller, oui, il va falloir enlever ce qu'il y a, on va falloir enlever la partie grub à l'intérieur du MBR. Microsoft a un super bon how-to pour t'expliquer comment enlever ça. Si vous avez besoin un jour. Puis il est vraiment bien écrit, en fait, c'est vrai, en fait. Donc, vous avez l'explication que je viens de dire à l'intérieur. D'ailleurs, on peut regarder à l'intérieur du slash boot grub. Donc là, on va retrouver donc à la ligne 5 le grub.cfg qui est en fait le fichier de configuration du grub à l'intérieur.
Hein, si on regarde, i386 PC, donc c'est le logiciel Grub, donc il va encore le charger pour pouvoir aller chercher bon, les fonts, les polices de caractère, etc. Si on regarde un petit peu, hop, donc, slash boot, Grub, on va regarder, oups, CFG. Donc là, bref. C'est encore un script, hein. On va souvent retrouver des scripts à l'intérieur où on fait, c'est le fichier de configuration qui va loader. D'ailleurs, on voit encore, il load certains modules au besoin, etc. Ah, puis ça, c'est les menus. Submenu, advanced. On pourra le voir plus ultérieurement, là, c'était pas l'objectif. Et ici, i386, où on voit différents modules qui vont être possiblement chargés par Grub pour pouvoir répondre adéquatement, là, tel qu'on voit ici, oups, ZFS, donc le module, le driver pour pouvoir lire des partitions de type ZFS, du RAID 5 aussi. Bon, après, il y en a plusieurs, là. Ouais. Peu importe, libre à vous de les regarder, voir ce qu'il y a. C'est sûr que. Hein? Donc, là on a Grub, donc le MBR il a été chargé, le BIOS, le Grub a été chargé, donc on a eu le choix du noyau. D'ailleurs, ah, on pourrait peut-être le montrer, le comportement. Donc, si je démarre ma VM. Ici, j'ai le BIOS. Donc là, le BIOS, hop, il fait 100 choses. Et ah, là, c'est trop rapide. Parce que j'ai pas mis de timeout. Là, j'ai le Grub qui devrait apparaître. Ouais, c'est ça. Là, il le fait direct en background. Là, il doit déjà être en train de charger. Ah, ok, cool. Là, je l'ai. Bon, parfait. Donc là, on voit que j'étais. Donc ici c'est vraiment le Grub. Donc il a chargé le stage 1, donc il a chargé le logiciel Grub. Il a passé le stage 1.5 parce qu'il allait chercher les drivers qu'il avait besoin pour lire le slash boot. Là on est rendu, il a lu le stage 2 parce qu'il a lu son fichier de configuration parce qu'il me liste les kernels qui sont disponibles et il a regardé les kernels qui sont donc les noyaux que je vais pouvoir charger. Là à ce niveau j'en ai juste deux, donc un recovery mode et le memory test pour pouvoir faire un test. Donc ça aussi c'est un petit noyau à un kernel Linux et lui tout ce qu'il fait c'est un même test, donc tester la mémoire, il va la passer au fur et à mesure. Donc en fait le Grub va me permettre de choisir le noyau, mon kernel que je vais avoir besoin. Hein? Là on voit j'ai pas un autre système d'exploitation, mais même si j'étais sous Linux, quand je vais installer les nouveaux drivers, les nouveaux noyaux, que j'installe une nouvelle version, ben, je vais encore avoir l'ancienne. Pourquoi? Parce que si mon nouveau noyau marche mal, ben, ça me permet de faire un retour en arrière. Donc Grub va me permettre de démarrer mon noyau. Je peux même éditer en fait parce qu'il y a des paramètres qui sont fournis. Hein, on voit peut-être pas très bien, mais oups. Ici j'ai E qui me permet d'éditer, qui va me permettre d'éditer les paramètres qui sont fournis au noyau lors de son chargement. Parce que c'est Grub qui va faire le chargement. Donc ici là, je peux aller éditer l'information que Grub a rajoutée. Je regarde juste ce que je peux. Non, je vois rien qui. Je fais escape et je vais faire B pour le ou enter pour le booter. Je sais pas si on va voir. Un petit peu de temps parce que j'ai pas peut-être ouais j'ai vraiment donné un gig de RAM sur ma VM parce que ça en arrache un peu. Donc là on fait le Grub est en train de charger le noyau qui se retrouve à l'intérieur de la partition slash boot. Si je regarde, je vais quitter ça dans slash boot. J'ai l'ensemble de mes noyaux qui sont présents, donc les VM Linux qui sont les noyaux. Donc les kernels Linux qui sont présents. Et on voit pour chaque noyau,
J'ai un fichier initRD qui est présent aussi. En fait, il marche en couple, ces deux fichiers-là. Je vais regarder. Ah, je suis déjà rendu au login, évidemment. Le fichier initRD, son objectif, c'est un peu l'équivalent du stage 1.5 qu'on avait vu en GROB. C'est-à-dire que pour que le module, le noyau, il se charge, parfois il a des dépendances. Hein. Parfois il a besoin de charger un module. Parfois il a besoin d'exécuter une commande, je sais pas, un call sur un firmware, d'exécuter des opérations. Donc le initRD, bien, le noyau, il se charge, le initRD est chargé avant et il va permettre de préparer le terrain pour que le noyau soit en mesure, pour que ça soit fonctionnel. Donc, parce que le noyau, lui, il charge des modules, il fait vraiment uniquement la passerelle entre le logiciel et le hardware. Mais le noyau n'est pas capable d'exécuter aucune commande, il n'est pas capable de charger des choses qui seraient dépendantes selon une séquence. Donc, le initRD accompagne le noyau pour préparer l'ensemble du terrain qui est de manière adéquate. Le initRD en soi est optionnel. On pourrait, si on met l'ensemble de ce qu'il a besoin dans le noyau, hein, si je compilais l'ensemble des modules dans le noyau pourrait fonctionner tout seul sans le initRD. Avec les distributions modernes, vu que tout est en module, ils se sont organisés pour que le initRD soit toujours présent pour qu'il charge et exécute des instructions. Si vous voulez, on pourrait même ouvrir le fichier initRD, parce que le initRD, c'est comme un petit système d'exploitation. Il contient l'ensemble des instructions nécessaires lors du boot. On peut d'ailleurs se retrouver dans des situations où le système n'arrive pas à charger, mais on réussit à rentrer dans le initRD pour faire du debugging. Ah oui, ça c'est un exemple qu'on voyait. Souvent, le initRD, bon, j'ai une contrôleur RAID qui est particulier, ben, je vais avoir les instructions dans mon initRD pour qu'il soit chargé préalablement et qu'il exécute des commandes. Juste pour signaler, hein, le point d'exclamation, que je peux pas prendre un initRD et l'associer avec un autre kernel. Pourquoi? Parce que le initRD contient des modules qui ont été compilés pour le kernel avec lequel il est associé. Résultat, si je prends un initRD, bien que l'ensemble des scripts dans le initRD vont fonctionner, quand il va essayer de loader le module de la carte RAID ou le module, peu importe, qu'il va vouloir, ben là le kernel il va dire, oh, mais ça n'a pas été compilé pour moi, mon checksum il mismatch. Donc, je peux pas, par mesure de sécurité, je ne charge pas le module que tu me donnes. Hein, donc, c'est ce qu'on voit, en fait, la récapitulation. Là, dans ce fichier initRD, il existe un fichier slash init, qui est un script qui est exécuté. Donc c'est l'étape dans le initRD pour exécuter l'ensemble des opérations. D'ailleurs, ici, à l'intérieur de la boîte avec la lampe, vous avez l'ensemble des instructions pour décompresser le initRD si vous voulez regarder à l'intérieur. Hein, vous pourrez voir toutes les opérations qui sont réalisées. Bon, il y a des commandes qui sont un petit peu plus obscures, comme la commande en ligne 17 qui est le CPIO, mais en fait c'est pour désarchiver, mais ça a été comme ça que le initRD a été créé. Mais je vous laisse si vous avez, si vous désirez regarder et me revenir si vous avez des questions éventuellement. Donc, mais bon, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment un petit système d'exploitation autonome avec le fichier slash init qui contient l'initialisateur pour charger, pour démarrer le init.
Les commandes que vous voyez passer, le premier défilement que vous voyez, c'est le chargement du kernel. Après, quand on va voir la partie OK, false, etc., c'est une étape plus loin en fait qui se passe. Si je regarde, j'avais là, je sais pas ce que ça va donner le résumé. Chargement. Okay. Si on affiche cette image, là on est encore uniquement dans le processus de chargement du kernel quand on voit cette image. Donc c'est vraiment le kernel qui se charge. Y a pas, c'est vraiment purement purement noyau. Si on prend voilà, on est déjà à une étape. J'ai pas d'image pour le initerné. Ça, c'est une étape plus loin en fait. Quand on arrive à cette étape-là, le système d'exploitation est déjà chargé. Bon, en tout cas, il est en train de se charger. Mais on... Quand le initerné il a fini, la partition slash, donc le système d'exploitation, la racine du système d'exploitation allait monter. Quand je dis uniquement la racine, si vous avez d'autres partitions pour slash home, slash tmp ou peu importe, ils ne seront pas montés à ce moment-là. Mais c'est vraiment uniquement le slash qui va être disponible et le initrd va exécuter le script sbininit. Ah, j'ai peut-être encore... Ah, je sais pas si je l'ai fait sur cette machine ou je l'ai fait à la maison. Ouais, j'ai... Ah, démo init. Ah, bon, justement, j'avais déjà décompressé mon initrd, donc ça va nous permettre de visualiser justement le fichier init. Donc, comme on regarde, hein, ça c'est vraiment... si j'enlève le fichier initrd original, qui a été utilisé pour la décompression. On voit, hein, ça si je fais un ls, ça c'est ce qui est contenu dans le initrd. Donc on retrouve le slash bin, le slash etc, slash usr, slash sbin, le run, le lib. Donc on retrouve grosso modo les mêmes répertoires qu'on retrouve au niveau du système d'exploitation. Hein. Si je regarde ce qu'il y a sur mon système d'exploitation, bon ben, hein, le bin... Hop, le bin il est là, oui il était là, l'initrd aussi, le etc pareil, le lib, donc on retrouve hein, grosso modo, pas tous hein, parce que le initrd étant beaucoup plus restreint en termes de petits systèmes d'exploitation, mais au moins on retrouve la correspondance. Et si je regarde le fichier init, donc ce qui a été démarré, hein, je vous ai fait chier avec les scripts, mais bon, on voit... on voit quand même qu'on retrouve cette information. Donc en fait, l'important n'était pas tant de pouvoir les lire, pas tant de les écrire, mais être en mesure de les lire. Ça peut prendre plus de temps parce qu'il faut habituer l'œil. Mais en fait, on va retrouver l'ensemble des instructions où la première, par exemple, il regarde s'il y a un répertoire slash dev de présent. S'il n'est pas là, il va le créer avec la commande mkdir. Donc on voit en fait, c'est l'ensemble des instructions lisibles, avec parfois des commentaires, et là tout le petit système d'exploitation va se charger dans le initrd. Bon, je vous laisserai regarder, lire pour le plaisir. Ce que je voulais surtout arriver, c'est à la fin complètement, où on voit ici, bon là, il exécute le script init, donc le slash sbin init, pour démarrer le système d'exploitation réellement. Donc, qu'est-ce qu'il va aller charger à la fin? Il va aller exécuter le fichier sbin init. Donc, il a monté la partition slash. Donc, il a monté, dans mon cas, la partition dev sda1. Et il va lancer sbin init. Ok. Donc, récapitulatif,
BIOS, bootloader, le kernel et l'initRD sont chargés par le BIOS. Le initRD est exécuté. Les différents modules kernel sont chargés pour être en mesure d'accéder au slash. Le root donc est monté et là on exécute sbininit, donc le premier processus du kernel. Vous verrez, en tout cas j'ai jamais vu qu'il n'était pas le processus 1. Donc le PID, là, le Process Identifier, c'est le 1, c'est le initRD. Pourquoi? Parce que c'est le premier qui a été exécuté. Hein? On verra. PS add 3. Hop, évidemment. Encore une fois, le 1, c'est le initRD, donc mon premier processus qui a été exécuté. Ok. D'ailleurs, on peut le voir aussi, je vous avais jamais montré la commande, mais PS3 qui vous permet de voir les processus en arbre, donc de voir les différentes dépendances d'un programme. Et on voit que, bon, par exemple, le Apache 2 en ligne 6, donc il a démarré 5 autres processus Apache 2, mais bon, ou Network Manager qui a démarré le DH client, le DNS mask. Mais si on regarde bien, tout démarre en fait du processus init qui est ce premier processus. PSU, hein? Vous l'avez peut-être pas installé, hein? Ouais, c'est sûr que vu que PS, vu si vous tapez PS3, bah le init c'est le premier, hein, fait qu'il faut monter au tout début. C'est pour ça que d'ailleurs je le pipe et que je fais un head dessus pour pouvoir le visualiser. Ce premier fichier qui est chargé, c'est toujours slash sbin slash init. Ça, c'est ce qui est par défaut et c'est ce que le kernel va aussi charger. Cependant, comme vous l'avez vu, quand j'avais fait mon VI du fichier init, je retourne à la fin, j'enlève la syntaxe. Hein? Si on regarde ici, donc, on voit, ah, c'est quand même une variable. Hein? Pourquoi? Parce qu'il est possible de définir à grub, de dire bon ben ton fichier init, comme au lieu de ce kernel, au lieu de définir ce kernel-là, bon, on peut lui dire ben, le init démarre un autre logiciel, démarre un autre processus. C'est possible. Et on pourra voir ce que ça fait. Et c'est assez enrichissant. Je vais finir la partie du init, puis quand on va le voir en détail. Je ferai une petite démonstration de comment changer cette information. Donc, là, c'est là que on s'amuse un petit peu. Hein, on aime ça que ça soit. On aime ça avoir le choix. Hein, un petit peu comme le grub que je disais qu'il y avait un autre bootloader qui existait. Il y a Lilo. Ben là, c'est un petit peu la même chose. En fait, le système de processus d'initialisation du système d'exploitation, aujourd'hui, il y en a trois. Okay. Il y a le classique système 5, qui est encore utilisé par Red Hat. Okay. Donc ça a été utilisé pendant des années sur les systèmes Unix. Et on va voir ce système. Pourquoi? Parce que il est encore utilisé sur beaucoup de systèmes Unix. Et vu qu'il est encore utilisé sur Red Hat, je pense que c'est intéressant au moins de comprendre son fonctionnement. Donc on va voir une vue d'ensemble du système 5. Par contre, Ubuntu, à partir de la version 8.4, a décidé de changer le système d'initialisation et de passer à Upstart. Upstart que eux, ils ont développé. Il y a plusieurs avantages. D'ailleurs, quand vous bootez votre système Linux, hein, le laptop, c'est très rapide, même si tout n'a pas chargé, parce qu'il continue à démarrer des choses en background. Okay, comparativement à quand je démarre le serveur Red Hat, où là, ben, ça attend que chaque processus ait fini de démarrer avant de te donner la main.
Donc ça a été un des avantages du Upstart, surtout dans la considération qu'Ubuntu essaye d'avoir le marché du desktop. Donc faut que ça démarre vite. La personne ne veut pas attendre, ce qui est normal aussi. Par contre, aujourd'hui, le futur, c'est systemd. Tout le monde, Debian, a décidé de passer à systemd comme système d'initialisation. Ubuntu a décidé que bon, ok, c'est correct. Oui, vous avez raison, systemd marche bien et a l'air adéquat. Et Red Hat a dit bon, ben, on va normaliser le tout et tout le monde va passer à systemd. Vous avez déjà des distributions qui offrent ce système d'initialisation, telles que Arch Linux, que moi je suis en train d'utiliser chez moi, aussi pour me familiariser avec le système D, parce que aujourd'hui je ne connais pas très bien, vu que ça n'a pas été encore disponible sur la majorité des distributions. Mais à terme, bon, on se dit qu'il n'y aura plus qu'un système utilisé par les distributions. Donc l'objectif, ça va être de voir vraiment les deux premiers. Puis ben, pour le troisième, quand il sera déployé, ben, on fera une autre session spéciale SysMD peut-être. Ça va? Une fois, là on va voir donc cette partie d'initialisation. Par contre, et c'est vraiment la partie que donc le système d'initialisation, système 5 ou Upstart, c'est vraiment le processus qu'on voit sur cette image, donc le démarrage de l'ensemble des services qui se réalisent. Je savais pas. Si on regarde, okay, là j'ai le démon d'initialisation 43. Donc, le système d'initialisation, on le fera pas au complet. C'est juste que j'ai juste donné la description pour pouvoir aussi démontrer le si on change ce fichier d'initialisation. Donc, comme j'ai dit, le initAD étant le petit système d'exploitation qui va monter la partition slash et démarrer, exécuter la commande slash sbin slash init. En fait, l'initialisation, lui, il va démarrer, s'assurer que tout fonctionne. Donc, on va avoir du réseau, on va avoir les services qui vont démarrer, le web, le login, le multi-user. Donc, on va avoir en fait un système complet. Cependant, à partir du moment où le noyau, donc la couche qui fait la communication entre le matériel et le software est présent, que le initRD a monté la partition slash, en soi, on a un système complet, du moins utilisable. Parce que j'ai mes binaires qui sont présents grâce au slash. Le problème, c'est que bah, j'ai pas de réseau, j'ai pas de service, il me manque une panoplie de choses, mais techniquement parlant, pour un administrateur de système, je suis en mesure d'utiliser le logiciel. Juste pour montrer, je vais donc changer l'initialisateur. Je vais donc rebooter. Donc, je vais rebooter le système et ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner un autre init. Le grub, il a changé, je suis en train de me demander. La syntaxe exactement. On va l'essayer. Je suis confiant. Ok. Donc, j'ai passé le BIOS, bon, c'est sûr que c'est une VM, donc ça passe très vite. J'ai passé l'étape où le grub, il a chargé
le MBR, donc les premiers 512, où il a chargé son programme. Il a pris le 1.2, où il a chargé les drivers qu'il avait besoin pour accéder au disque dur. Hop, il a parti le stage 2, il a pris son fichier de configuration, et maintenant, il m'affiche le kernel. Là, je peux faire E pour éditer la ligne. Donc là, j'édite la ligne. Ok, parfait. Donc là, il passe des paramètres, record file. Là, il charge en fait des drivers qui seraient nécessaires. Il définit la partition route. On aura l'occasion de le voir a posteriori. Linux, oh, bon, je vais le mettre. Et on voit ici, j'ai le kernel Linux qui est défini avec bon le root. Ici, c'est le UUID, hein, c'est le numéro d'identification de la partition. On le reverra a posteriori. Et là, je vais mettre ici init égal. Je vais lui dire démarre pas slash sbin init, mais démarre bin bash. Donc démarre tout de suite bash au démarrage. Oups, pas de retour de chariot. Et je vais vérifier qu'il l'a bien pris. J'ai fait escape, mais j'ai comme un doute. Je pense que c'était F10 pour le booter. Ouais, c'est ça, il l'a pas pris. Bin bash et ici F10 to boot. Donc, là j'espère que ça va marcher. Comment? Ah, roulement de tambour, ouais. Donc là, normalement, il va quand même, il va charger le kernel, il va charger le init RD, mais au lieu d'appeler le slash sbin init sur la partition root, il va démarrer bin bash. Ou ça marche pas du tout. Mais non, en fait, ah, c'est un très bon point. La commande que j'ai passée, c'est juste un one shot. Okay? Donc, si ça marche pas, c'est pas trop grave parce que le système va pas exécuter le init bin bash. Mais à ce moment-là, il va quand même me redonner la main, ou du moins, quand je vais rebooter, je vais être correct. Ça n'a pas l'air de marcher. Il n'a pas l'air de gratter non plus sur le disque dur. Ça va me donner l'espoir. Ouais. Ouais, mais justement, ça doit être assez rapide. Puis là, vu que je vois pas ce qu'il fait, j'aime pas ça. Je vais le redémarrer encore une fois. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours préparer ses démos et pas le faire live. Je vais refaire une tentative. On va juste lire c'est quoi le recovery. Peut-être ça pourrait donner une piste. Ok, on va essayer ça. Quoi? Non, apparemment. Mais ok, donc ça le GFX mode, je vais l'enlever, ça c'est pour du graphique, pas besoin de ça. Ici je vais mettre, oups, hop, putain, j'ai fait escape. Ah ça c'est le gros problème hein, quand on est dans VI, hein. Après on fait escape tout le temps quand tu veux passer à un mode.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que tu vois la différence. Je me souviens qu'à l'habitude d'utiliser VI, puis. Ouais, mais si je mets read, ouais, mais ça, j'ai tombé en read-write, parce que les héros, c'est pour que il va booter en read-only. Je pense que le no mode 7 va me permettre de voir ce qui se passe. Je pense que le init aurait peut-être dû être plus tôt. Ok, on va essayer ça. Et ce que j'aimerais, c'est d'avoir le visuel sur le processus de démarrage. C'est ça que moi j'aime pas quand. Ah yes! Donc là j'ai enlevé le GFX, donc ça déjà ça a dû aider. J'ai mis le no mode 7 et le init. Et là on va voir. Un script. Tata! Et là j'ai mon bin bash qui est là. Ok. Donc, si on regarde déjà, direct au niveau du prompt, hop, je tombe en route. Okay? Donc, on n'a pas vu le processus de boot au niveau des le démarrage des différents processus. Ici, si on regarde aussi, j'ai pas de hostname, at none. Pourquoi? Parce que un des processus lors du démarrage du système d'exploitation, c'est qu'il définit un hostname à la machine. Là, ben là, il n'a pas initialisé le système d'exploitation. Donc je me retrouve à ce que j'ai juste ce bin bash. Bon. Si je regarde, grep, bon, on peut faire APS, hein, mais il doit pas avoir grand-chose. Donc là, on voit mon processus 1, mon PID, c'est bin bash. C'est pas le init. Là, on dit, ok, il y a beaucoup de process, mais ça, c'est des process gérés par le kernel qui sont en dessous. Tout ce qui est entre crochets, là, c'est vraiment kernel-based. Et on voit mon PS qui a pas lui pas de crochet. Ouais, c'est une gestion de SCSI, des workers, etc. Ok? Donc là, je me retrouve avec un système d'exploitation avec juste le slash. Normalement, je serais supposé, si comme mon système il est tout monté, hein, si on se rappelle lors de l'installation, on avait aussi slash home. Hop. Je vois pas. Slash home. Ici. Si on met, on fait un 4 avec, on se rappelle, hein, moi n pour avoir les numéros. Hop. Donc, si on regarde à la ligne 12, donc j'ai le home qui est présent. Donc là, on voit, il n'a pas du tout démarré le processus de init. Donc j'ai vraiment uniquement, paf, le root avec rien du tout de démarré. Mais on voit quand même que à ce niveau-là, j'ai un système d'exploitation fonctionnel, mais fonctionnement réduit parce que il y a vraiment juste la communication logicielle avec le matériel qui est présent. Je pourrais aussi bien maintenant à ce niveau-là dire, oh ben finalement c'est mieux quand tout fonctionne. Hein? Ah, il s'attend à avoir un argument de. Ah voilà, ben, il y a des trucs qu'il veut pas. Je n'ai jamais démarré comme ça. Init. Ça marche. Comme upstart. Donc on voit que Ubuntu utilise vraiment le upstart. Parce que là, il veut pas démarrer. Donc il faudrait que je regarde c'est quoi la problématique. Sauf que bon, c'est assez rare que je passe par cette étape-là pour tomber dans un mode normal. Là. Mais au moins ça nous permet de au moins bien visualiser que avant que le sbin démarre. Ben, j'ai quand même un système complet disponible. Boum. Des questions? Si tu
un RAID contrôleur, ça dépend. Si tu as un RAID contrôleur, de toute manière, la machine, où il va falloir qu'il y ait le driver à l'intérieur du unit RD, il va falloir qu'il y soit. Si quand tu installes, non, généralement les distributions détectent le RAID. Enfin, ça te permet d'avoir. Il va mettre le driver approprié lors de l'installation. Lors de l'installation, il configure le unit RD personnalisé pour votre machine. Toujours. Peu importe, même si c'est toujours la même chose qu'il met dedans, là, il va quand même faire du probing pour valider s'il n'y a pas des drivers qui doivent être présents. Bien que tu peux aussi avoir du RAID software si tu as besoin. Mais c'est sûr que le driver va être à l'intérieur du unit RD pour pouvoir lancer le slash. Et là, en fait, là, ça sera indispensable d'avoir le unit RD, à moins de compiler manuellement le driver de ta carte RAID à l'intérieur du kernel. Mais ça, je doute. Donc, ce qu'on va regarder un peu jeudi, donc, on va regarder donc les concepts qui sont communs au système 5 et au Upstart. Parce qu'il y a quand même des idées, surtout qui cohabitent très bien. Et après, on va voir chacun des systèmes, donc système 5 et Upstart, voir comment le processus d'initialisation se fait, comment l'ensemble des services démarrent. Bonne journée!